Salut tout le monde, ici Soninho. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Et aujourd'hui, comme tu le vois, j'ai changé de lieu, un lieu beaucoup plus grand. Donc maintenant, c'est ici que je vais tourner toutes mes vidéos, et pour la chaîne YouTube, et pour TikTok, pour les entraînements, mais aussi pour mon groupe. Je vais commencer à faire des cours pour les élèves que j'ai en version VIP. Donc, on est parti aujourd'hui pour 10 minutes d'entraînement, mais que pour le bas du corps, cuisse, fessier. J'espère que tu es prêt, j'espère que tu es prête. Vamos! Attention, donc c'est un entraînement qui est spécifique pour les personnes en situation d'obésité. Donc ce seront des mouvements qui seront très accessibles. Donc si c'est un entraînement que tu trouves beaucoup trop facile avec des exercices pas assez durs, je te recommande d'aller voir une autre vidéo, soit à l'avenir que je ferai des vidéos intermédiaires, ou d'aller voir une vidéo beaucoup plus intense avec des exercices beaucoup plus intenses. Mais là, il n'y aura pas de saut, il y aura des exercices vraiment très très simples. On va quand même travailler avec cet entraînement de 10 minutes. Donc concentré sur le bas du corps, cuisse, fessier. Ok? Donc c'est parti pour l'entraînement. Allez, c'est parti, je lance le chronomètre, il y aura 10 exercices. Premier exercice, on va commencer tout doucement par du squat. Ok? Donc, pied, largeur d'épaule, le but ça va être d'amener les fesses vers l'arrière et de remonter. Ok? Donc on montre l'exercice ensemble, 40 secondes, c'est parti. Boum, tu descends et tu remontes. Voilà ici, c'est le premier exercice, très très simple pour le bas du corps. Le plus populaire d'ailleurs. Voilà, inspire en bas, souffle en haut. Voilà, le but pour l'instant dans ce premier exercice, c'est de se mettre en jambe et de commencer à sentir les cuisses travailler ainsi que les fessiers un petit peu aussi. Voilà, n'oubliez pas ici de garder le dos droit, les abdos serrés, inspire en bas et souffle en haut. Allez, let's go. Ok, relâche. Ok, très bien. Prochain exercice, on va serrer ici, pointe de pied serrée, boum, écarter, revenir et remonter. Ok, là, on va mettre un peu plus de vitesse. Allez, bientôt parti. Pieds joints, tu descends, tu écartes, tu reviens et tu montes. Tu descends, tu écartes, tu reviens et tu montes. Là, tu vas solliciter un petit peu plus tes fessiers avec cet exercice. Allez, inspire bien, souffle bien. Si ça fait mal aux cuisses, c'est normal, ce sont les muscles qui travaillent. Allez, let's go. Ok, relâche. Très bien. Ok, prochain exercice. On va faire des demi-fentes, étant donné que c'est un entraînement spécifique. Donc tu vas mettre ta jambe droite devant, tout simplement. Et si tu vas descendre, voilà, tout simplement, demi-fente, assez rapide. Ok, je me mets profil pour que tu vois. Ici, jambe gauche devant, jambe droite devant plutôt. Et ici, trajectoire rectiligne, tu gardes bien. Trajectoire droite, ici. Voilà. Donc, pas penché en avant. Vraiment, trajectoire droite. Boum. Et tu fais que des petits. Tu limites l'amplitude. Et tu fais en sorte de remonter avec la jambe de devant. Allez, on y va. Ok, relâche. On va passer sur l'autre jambe. Voilà. Allez, prépare-toi pour changer de jambe. Boum. Et tu y vas. Boum. Voilà, que des petits mouvements.
petite fente, pas besoin d'aller jusqu'en bas. Si tu peux aller jusqu'en bas, tu peux, mais étant donné que voilà, et que autant que tu n'as pas fait de sport ou que tu n'en fais jamais, je te recommande voilà, de commencer doucement. L'intérêt, c'est que la jambe de devant soit bien au sol, enfin, le pied soit bien au sol, et boum, tu repousses le talon dans le sol pour bien travailler les cuisses. N'oublie pas d'inspirer, souffler comme d'habitude. Allez, let's go. Ok, relâche. Squat sumo, prochain exercice. Donc, qu'est-ce que le squat sumo? Ça travaille un peu plus les fessiers. Ici, on va écarter les jambes un peu plus larges que les épaules. Pointe de pied vers l'extérieur. Voilà, tu tiens droit, tu enroules les épaules vers l'arrière. Et pareil que le squat, hein. On descend et on monte. Ok. Et c'est parti. Beau. Voilà, tu sens ici, où tu contractes ton fessier à la montée. Voilà, très bien. Excellent. Tu gardes tes genoux vers l'extérieur et tu continues. Allez, si tu veux avoir des cuisses solides, des fesses toniques, tu y vas. Allez, on y va. Ok, relâche. Un exercice que j'aime bien faire, donc on en est à la moitié. C'est ici, tu vas plier la jambe gauche et ensuite avec l'autre jambe, tu vas écarter et ensuite revenir à chaque fois. Excellent exercice pour les fessiers. Allez, plie ta jambe gauche, écarte jambe droite, boum, tu y vas. Voilà, tu gardes une légère flexion pour bien travailler le fessier et bien le ressentir à chaque fois. Le dos droit, le regard vers l'avant, et tu y vas, tu continues. Et c'est bien de t'aider de tes bras comme ça. Ça te permet de ne pas bouger le corps. Hein. Allez, tu y vas, tu y vas. Allez, allez, let's go, let's go, let's go. Motivé avec de toute ton énergie. J'ai bugué moi-même. Voilà, ok. Un petit peu de récup, on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, repose-toi un petit peu. Cette fois-ci, tu plies un petit peu ta jambe droite et tu fais bouger la jambe gauche. Allez, plie. Et on est parti. Let's go. Même position que tout à l'heure, et tu y vas. Allez, le but, ne bouge pas ton corps, hein. Je ne veux pas voir ici, ici. Vraiment, corps fixe. Et repose-toi. Fente arrière, prochain exercice. Fente arrière, qu'est-ce que c'est? Tu démarres pied devant, fente arrière alternée. Tu recules ton pied, tu reviens, tu recules ton pied, tu reviens. Tout simplement. Là, on va très plus travailler les fessiers avec cet exercice. Allez, pied devant et tu recules ton pied à chaque fois. Oh. Voilà, recule, reviens. Voilà, pareil, demi-fente. Hein. Voilà, soit tu mets tes mains pour accompagner ici, soit tu gardes les mains sur les hanches. Surtout, reste droit quand tu fais tes fentes. Évite de pencher ton corps vers l'avant. Voilà, très bien. Allez, encore. Ok, relâche. Ok, il reste deux exercices. Mettez-vous au sol! Relevez le bassin, très simple. Tu écartes tes jambes ici. Voilà. Talon proche des fessiers, tu vas lever le bassin. Ici, en contractant le fessier. Allez, normalement, tu devrais le voir. Voilà. Ici, et tu lèves le bassin en contractant les fessiers.
et en repoussant les talons dans le sol. Voilà, serre bien tes abdos pour protéger le bas du dos, toujours la base. Hein. Allez, monte le bassin le plus haut possible en serrant les fessiers. Allez, ça pique, c'est normal. Voilà, si c'est vraiment trop dur, tu poses à chaque fois et tu repars. Tu poses et tu repars. Ok, relâche. Dernier exercice, cette fois-ci on va rester en statique et on va changer de jambe à chaque fois. Donc on va rester sur une jambe ici et puis on va continuer l'exercice. Ok. Ok, lève et ici tu vas poser la jambe gauche ici sur la droite. Voilà, tu repousses tes talons dans le sol et tu restes le plus haut possible. On travaille les fessiers. Inspire, expire et serre les abdos. Voilà, tiens bon. On va bientôt changer de jambe. Et change de jambe. Voilà, ici, pied droit sur genou gauche. Et tu gardes le bassin haut, le plus haut possible. Tu repousses le talon au sol et relâche. Ok, très bien. Très bien, normalement ça devrait être fini. Et oui, c'est le cas, c'est terminé pour ce training du bas du corps. J'espère que ça t'a plu. Merci d'avoir participé à l'entraînement de la semaine tout simplement. Donc tous les dimanches à 10h, il y a un entraînement adapté pour les personnes qui sont en situation d'obésité. Je cesserai de le répéter, mais voilà, c'est pour les personnes qui se disent « voilà, j'ai envie de me transformer, de me reprendre en main ». Mais j'ai envie de démarrer le sport tout doucement pour ne pas me dégoûter. Et ben, cette chaîne-là, elle est faite pour vous et ces vidéos sont faites pour vous. Si tu viens là par hasard et que tu aimes la vidéo, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu et à t'abonner à la chaîne YouTube. On est bientôt 1000 sur la chaîne, donc je vous dis bienvenue, je te souhaite la bienvenue si tu es nouveau. Et encore merci pour les personnes qui me suivent encore et de plus en plus. Abonne-toi aussi à mon Insta, c'est Sonigno-7 et à mon TikTok, Sonigno7.0. Je te dis à la prochaine, à dimanche prochain, pour une nouvelle vidéo d'entraînement. C'était Sonigno pour une nouvelle vidéo. Merci et ciao, bye bye.